Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Glitch Fun. Donc je vais vous présenter un glitch pour avoir vos véhicules favoris à l'emplacement des véhicules spéciaux. C'est une tuerie, vous n'aurez pas de délai de mécano, rien. Donc profitez-en tant que c'est bon, les gars. Ça va pas durer longtemps à mon avis. Donc en premier temps, il vous faudra un complexe, un Avenger, un garage de PDG et un custom dans ce garage. Ensuite, il va vous falloir acheter le véhicule spécial que vous voudrez éliminer, ce qui va disparaître. Vous allez récupérer l'emplacement avec votre véhicule personnel. Donc si vous l'avez déjà, c'est bon. Il vous faudra juste l'appeler ici. Donc là, je vais mettre en club de motard, je vais enlever mon véhicule personnel. Je vais acheter, parce que j'en ai pas, j'ai des emplacements vides. Donc je vais acheter un pick-up aqua armé, d'accord. Et je vais attendre d'être livré. Une fois que je serai livré, je l'appelle devant le complexe. Et après, je peux commencer la manipulation. Donc vous pouvez mettre votre APC, vous pouvez mettre tous les véhicules qui rentrent dans les garages à l'emplacement de ces véhicules spéciaux. Donc il y en a 7 ou 8 emplacements, à vous de voir. Donc après, vous avez moyen de les vendre, les véhicules dupliqués, personnels, et vous pourrez remettre quand même vos véhicules spéciaux, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai acheté ça. Donc il va vous falloir avoir une visée différente d'un autre joueur que vous avez dans vos amis, et être sur session sur invitation. Donc je vais m'occuper de ça. Donc je vais mettre apparition au complexe. En ligne, éditeur. Une fois que vous êtes dans l'éditeur, vous appuyez sur Start. Et on va modifier les paramètres. Donc on va se mettre en visée libre. Au pire, vous rejoignez un ami ou un ami dans sa session, et ensuite vous modifiez la visée. Vous n'avez même pas besoin de lui demander. Donc là, je me mets en visée libre. J'ai quelqu'un que je peux rejoindre. Si vous avez personne, vous rejoignez quelqu'un, vous avez un ami, et après vous modifiez la visée. Ensuite, vous allez en session sur invite. Donc il vous faudra le garage de PDG. Vous mettez le véhicule que vous voulez mettre dans vos véhicules spéciaux dans le garage de PDG, et vous le remplissez, parce qu'on va avoir besoin du message garage plein. La manip, elle est très très facile, les gars. Donc moi, je me suis mis d'entrée un Night Shark, je me suis mis une Deluxo, et je vais mettre un APC obligatoire, c'est la base. L'oppressor, c'est pas la peine, parce que vous pouvez l'appeler avec le club de motard. Donc ça vous fera un peu genre club de motard, à appeler en illimité. Allez, c'est parti, on a tout de près, les gars. Maintenant, on va commencer le glitch. Donc vous sortez, vous allez demander votre véhicule spécial. Commencez par le glitch si vous n'avez pas sorti le véhicule spécial. Sinon, le bug, il marchera pas. Donc là, on va se mettre en club de motard, on va faire renvoyer véhicule. Et on va demander notre pick-up armé à quoi. Donc vous pouvez faire l'emplacement que vous voulez. Il vous suffit, bon, c'est un petit investissement, mais ça vaut le coup. Quand vous êtes en session, vous appelez votre véhicule direct. C'est illimité. Donc si vous le cassez, vous appelez votre mutuelle. Ça va vous la réparer. Et ensuite, elle retournera à l'emplacement spécial. Donc pensez à avoir le garage de PDG plein avec le véhicule que vous voulez dupliquer. Donc moi, ça sera le garage 2. Vous voyez, il est plein, il y a 20 véhicules dedans.
Et j'ai mon Night Shark. Donc, je vais faire un Night Shark. C'est toujours bien en session d'avoir un Night Shark hélico presto. Donc là, j'ai appelé mon Blazer Aqua. Il a apparu. C'est bon. Allez. On va attaquer le glitch. Très facile, les gars. Pas timing, rien. Donc on va se servir de la base du glitch de Tuto Facile France. Encore merci à lui. Il est vraiment super ce glitch. Propre. Ça c'est du boulot. C'est le meilleur des meilleurs. Allez, c'est parti, on va aller derrière l'Avenger. Au niveau de la porte du cockpit. On va attendre le message du cockpit. Et c'est là qu'on va rejoindre l'ami qui est dans une visée différente. Alors c'est parti, là je fais PS, je vais ou dans le chat party ou dans jeu en cours. Donc là je clique sur mon ami, rejoindre la session. Hop, je valide la porte. J'accepte le premier message, je refuse le deuxième qui me fait changer de visée. Et là normalement on sera bugué. Donc là je me retrouve dans le cockpit, je descends, je recommence. J'ai eu un mauvais timing. Allez, c'est parti, on recommence. On va sur le message de la porte, visée différente. Je fais PS, je rejoins dans le chat party un ami ou dans les jeux en cours. Rejoindre session, je valide la porte, je valide ce message, je refuse l'autre. Là c'est bon, c'est nickel. Dès que vous apparaissez comme ça, vous êtes bugué. Donc maintenant, je vais faire la carte et je vais lancer mes activités. Là je fais pavé tactile. Hop là, donc je vais aller sur une activité à côté de mon PDG parce que je vais me téléporter à mon PDG. Donc si vous n'avez pas vos activités, il vous suffit de faire pavé tactile. Et à la 11e ou 12e place, vous pourrez régler vos activités. Et là, vous mettez personnalisé, vous sortez de. Vous mettez dans la rue et vous vous suicidez un coup. Comme ça, elles apparaîtront. Allez, là, vous faites carré et vous lancez l'activité. Une fois dans l'activité, il faudra patienter un petit peu. Donc vous voyez en bas à droite, on va attendre qu'il y ait le rond quitté. Et on va rejoindre notre ami. Vous voyez là, il y a le rond quitté. Je fais PS. Je rejoins. Je valide le premier message. Je refuse le deuxième. Et là, je vais spawn à côté de mon PDG. Parfait. Donc là, le glitch, il est quasiment fini. Maintenant, je vais fignoler. Il va vous falloir voler un véhicule de PNJ. Qui rentre dans le garage de préférence. Et vous allez rentrer dans votre bureau de PDG à l'endroit où vous avez le véhicule que vous voulez récupérer. Donc vous inquiétez pas, ça vous fait une duplication. D'accord ? Vous n'allez pas perdre votre véhicule. Il va se dupliquer dans les véhicules spéciaux. Et là, vous voyez, je suis rentré dans le garage, j'ai validé le message complexe garage plein. Et après, j'ai plus rien fait. Vous appuyez sur rien. Jusqu'à temps que vous apparaissez dans le garage. Maintenant, vous allez monter dans votre duplication. Dans le véhicule que vous voulez dupliquer. Vous attendez qu'il démarre, flèche de droite, vous allez au custom. Une fois que vous êtes dans le custom, vous allez échanger une plaque. C'est les moins chers, il faut changer juste une pièce. Vous faites ronron, sortir dans le garage 0. Donc si vous avez le garage 0, c'est que bon, c'est que la manip elle est nickel, vous l'avez réussi. Là vous descendez du véhicule et vous allez sortir du garage de PDG à pied. Donc descendre par le rez-de-chaussée.
Allez, une fois que vous êtes ici, vous êtes en club de motards, vous faites renvoyer véhicule, vous redemandez un Faggio ou une moto, et vous le renvoyez encore une fois. Et là, c'est bon. Maintenant, on va aller dans les véhicules spéciaux. On va commander notre pick-up armé Aqua. Et vous verrez que je vais me retrouver avec le Night Shark. Donc ce Night Shark, vous pourrez l'appeler en illimité. Vous pouvez mettre dans les autres emplacements d'autres véhicules. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre un Night Shark. Vous mettez le véhicule que vous utilisez le plus souvent. Comme ça, vous l'aurez toujours à vos pieds, sans délai de mécano. Voilà les potos. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Profitez-en avant que ça soit patché. Grosse bise les potos, à bientôt, ciao.